Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Claudia Rantella, je suis coach pour entrepreneur de mieux-être et dans cette vidéo, je vais vous parler d'énergie féminine, énergie masculine. Ciao e benvenuto in questo video, video numero 2 della challenge 30 giorni di video. Sono Claudia Rantella e nel video hoy vamos a hablar de relación con el dinero. Así que, bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 4 de cette série de vidéos, donc 30 vidéos, 30 jours de défis aujourd'hui. Dans mon blog, je vous invite d'ailleurs à aller les voir. Je vais vous raconter qu'à ce moment de ma vie, je suis en train de développer, de rentrer beaucoup plus en contact avec cette énergie féminine. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer plus précisément qu'est-ce que c'est l'énergie féminine, qu'est-ce que c'est l'énergie masculine. On va voir comment développer les deux et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces deux énergies équilibrées aussi bien dans notre vie que dans notre entreprise. Alors, l'énergie féminine, on va commencer par l'énergie féminine, c'est une énergie qui nous incite à être beaucoup plus dans l'intuition, dans l'introspection et nous invite du coup à utiliser notre créativité. C'est une énergie très ancrée, très forte, qui fait confiance, qui a la foi, qui travaille avec l'abondance, qui n'a pas besoin de mettre en place plein d'actions. Justement, elle vit, elle profite, elle est connectée et elle attire à soi les résultats. Donc, quelqu'un qui utilise l'énergie féminine est dans cette, l'utilise de la bonne façon et qui est équilibrée avec l'énergie masculine peut profiter de tous ses atouts, tous les atouts dont je viens de vous parler de l'énergie féminine. Quelqu'un par contre qui utilise énormément son énergie masculine, ce sera plutôt quelqu'un qui est très dans l'action, très dans le mental, très dans la réflexion, dans le courage, il a de l'avant, il apporte de la sécurité. Donc, vous voyez bien que dans notre entreprise, aussi bien comme dans notre vie, on a besoin d'équilibrer ces deux énergies parce qu'en les mettant ensemble, c'est là qu'on va voir les résultats et des résultats de façon beaucoup plus simple et fluide. Donc, prenons mon cas. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai commencé à faire plein d'actions. Une action derrière l'autre et j'étais tout le temps dans l'action. Ceci était dirigé par une énergie beaucoup plus masculine. Encore aujourd'hui, je suis très dans l'énergie masculine, raison pour laquelle je développe de plus en plus mon énergie féminine qui dit que je n'ai pas besoin de faire autant d'actions et d'autant d'efforts puisque les résultats vont arriver quand même. Et c'est exactement ce que je suis en train d'expérimenter. J'ai fait beaucoup plus d'actions, plutôt je mets en place les bonnes actions et de façon intuitive et créative, j'attire l'abondance. L'abondance arrive à moi de façon beaucoup plus simple. Donc, effectivement, comment est-ce que ça fonctionne? Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tous l'énergie féminine, l'énergie masculine en nous, puisque imaginez bien que nous sommes créés par deux énergies, celle masculine et celle féminine. C'est-à-dire, nos parents, lorsqu'ils se sont rencontrés, a donné vie, incarné en nous ces deux énergies. Eux-mêmes, bien évidemment, avaient chacun d'entre eux l'énergie masculine et l'énergie féminine, et chacun d'entre eux avait plus ou moins équilibrer ces deux énergies. Donc, une des choses que je vous invite à faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est justement d'aller regarder les comportements de vos parents. Est-ce que votre mère était plus dans l'énergie féminine ou plus dans l'énergie masculine? Est-ce que votre père était dans son masculin ou plus dans son féminin? Vous voyez bien que lorsqu'il y a un déséquilibre ou lorsque les masculins et les féminins présentent des blessures, vous vous rendez tout de suite compte que les choses ne fonctionnent pas exactement comme il devrait. C'est-à-dire, je vais vous faire un exemple. Imaginons que votre père était quelqu'un de très violent, agressif, dans l'action, dans le mental, pas en contact avec ses émotions, pas en contact avec son intuition, qui avait besoin de faire beaucoup d'efforts dans le travail pour pouvoir gagner de l'argent. Vous voyez très bien que là, on parle d'une personne avec une énergie masculine très développée et déséquilibrée, donc en masculin blessé. Si par contre, imaginons que votre mère, au contraire, était quelqu'un qui, prenons l'exemple pareil, votre mère aussi, très dans l'action, très dans la réflexion, très dans son mental, peu ancré, qu'il y a besoin de travailler énormément, qui n'utilise pas son intuition, sa créativité, qui a difficulté à faire foi et confiance à la vie. Une personne très dans son masculin et un confort masculin blessé. C'est lorsque nous sommes capables de mettre ensemble ces deux énergies et de les équilibrer, donc une énergie féminine et une énergie masculine qui travaillent bien ensemble, que nous pouvons vivre une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus épanouie,
et que du coup les résultats aussi bien dans la vie que dans l'entreprise viennent plus facilement. Donc je vous invite vraiment à commencer à vous poser la question, est-ce que je suis beaucoup plus dans l'énergie féminine ou l'énergie masculine? Comment est-ce que je fonctionne dans mon entreprise? Est-ce que j'ai du mal à passer à l'action? Donc peut-être je manque d'énergie masculine, ou est-ce que je passe énormément à l'action et même trop à l'action, donc trop d'énergie masculine. Est-ce que j'utilise mon intuition? Est-ce que j'utilise la foi, la confiance? Est-ce que je suis dans l'expansion, dans l'abondance? Comment est-ce que je fonctionne? Toutes ces questions que vous allez vous poser à propos de comment vous fonctionnez vont vous donner un indice, une idée de là où vous êtes par rapport à l'équilibrage de cette énergie. Et donc, le monde dans lequel vous avez identifié de quelle énergie vous avez plus besoin et quelle énergie a besoin d'être développée aujourd'hui, de reprendre sa place, parce que peut-être que du coup l'énergie opposée a pris trop les domaines de votre vie. À ce moment-là, commencez à vous poser la question, comment est-ce que je peux développer cette énergie dans ma vie? Donc, imaginons que vous manquez d'énergie masculine, donc énergie de l'action, énergie du courage, énergie de l'audace, énergie du mental. Mais c'est là que du coup peut-être vous pouvez intégrer à votre vie des actions, des situations dans lesquelles vous allez commencer à développer cette énergie. Donc vous allez vous mettre dans l'action, vous allez prendre du courage, vous allez assurer, vous allez avoir plus d'audace. Peut-être que vous allez faire certaines actions marketing, comme par exemple faire une vidéo, s'exposer un peu plus. Donc des actions qui vous demandent d'être plus dans votre masculin et d'oser. Mettons les cas que par exemple vous manquez d'énergie féminine. Encore une fois, à vous de trouver la façon d'exploiter et de développer cette énergie dans votre vie. Peut-être ça peut être à travers la peinture, comme dans mon cas, ça peut être la danse, les chants, ça peut être tout simplement méditer, être dans l'intuition, profiter de la vie, être dans la joie, faire quelque chose de spirituel, enfin, faire quelque chose qui vous permet de vous ancrer. Toutes des choses qui vous permettent de développer cette énergie. Je vous invite aussi de voir comment est-ce que vous êtes en relation avec les autres. Est-ce que vous attirez plus de personnes qui sont dans l'énergie opposée? Est-ce que vous êtes en fonctionnement avec les autres, avec une seule énergie, ou vous les utilisez toutes les deux? Et quand vous vous regardez, observez-vous en train de jouer des rôles avec les personnes, observez-vous et vous dites « Ah, là je reconnais que je suis trop dans mon masculin. Je reconnais que je pourrais peut-être être dans mon féminin, et plutôt que mettre en place toute une série d'actions pour mon entreprise, être dans l'urgence, être dans le stress, dans le fait de devoir faire, je vais être plus dans mon énergie féminine et je suis tout simplement dans l'accueil. J'accueille les intuitions, j'accueille l'abondance, je fais confiance, je me mets dans une situation de foi, je fais un travail d'introspection dans mon carnet, je regarde mes croyances limitantes et je fais ce travail d'introspection qui m'aide à être dans l'énergie féminine. Enfin, mettez en place toutes les actions qui peuvent vous aider à développer ces deux énergies très importantes pour pouvoir avoir de l'avant et continuer à avancer et être heureux en tant qu'être humain. Parce que le but ultime, c'est bien sûr d'être heureux. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné des clés. Sûrement, si vous aimerez bien, je pourrais vous donner une série d'activités à faire pour chacun de ces énergies. Ça pourrait être une idée de vidéo. Si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à me l'écrire ici en bas. Sinon, je vous souhaite vraiment de pouvoir être heureux, profiter. Et donc, si vous avez besoin d'action, mettez d'action dans votre vie. Si vous avez besoin d'intuition, déjà d'abondance, de tout simplement être, mettez de l'énergie féminine dans votre vie. Merci pour avoir regardé cette vidéo. À bientôt.